Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer tout ce que j'ai terminé durant le mois passé. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Il y a vraiment de tout. Il y a essentiellement pas mal de random, des choses qu'on trouve dans la cuisine, qu'on mange, etc. Il y a aussi des médicaments. Et oui, je sais pas pourquoi, mais il y a aucune youtubeuse qui parle des médocs qu'elle termine. Alors que là, bah, il y a l'automne qui arrive, on commence à être malade, donc on peut peut-être échanger des bons plans, surtout que je suis plutôt dans le pseudo-naturel. Et il y a de la beauté, bien évidemment. Je ne vais absolument pas vous classer tout ça par catégorie. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire ça à la one again et de prendre comme ça vient à part les médicaments. Et je vais commencer par eux, comme ça ce sera fait. Voilà, on démarre tout de suite. Premier médicament, si je peux dire, que j'ai terminé et en double exemplaire, voilà, c'est du L52. Alors, il n'y a pas que moi qui l'a terminé. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que notre famille a été... comment va-t-on dire ça attaqué par des microbes. On a carrément eu une invasion de... Oui, je sais, je vais beaucoup toucher mes cheveux, mais ça ne tient pas comme je veux, je sais. On a été envahi par les microbes et on n'a pas réussi à s'en sortir. Donc voilà, forcément, il y a eu deux L52. C'est quelque chose que j'ai toujours. J'ai un troisième qui est bientôt fini et un quatrième qui est déjà là au cas où. Donc voilà, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie beaucoup parce que ça évite de passer directement à des médicaments un peu plus costauds, surtout que c'est de l'homéopathie. Voilà, ce sont des plantes, c'est plutôt bien. Pour le prix, moi je les paye 8,50, donc voilà, est-ce que j'en rachèterai? J'en ai déjà racheté, et oui, j'en rachèterai indéfiniment, je pense, parce que ça vaut le coup. Autre chose que j'ai terminé en plusieurs exemplaires, là j'en ai gardé que deux, mais je crois qu'on est arrivé à 5 boîtes. Voilà, ce sont des Doliprane, je les enlève tout de suite parce que mon but n'est pas du tout de vous inciter à prendre des médocs. Mais voilà, les Doliprane nous ont beaucoup aidés, puisque quand on est malade, quand on a le nez bouché, etc., eh bien ça limite un petit peu les douleurs et c'est juste parfait. C'est quelque chose, je pense, qu'on doit tous avoir dans notre pharmacie, peu importe en fait la composition du foyer, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir. C'est bon, Sanga, je peux faire ma vidéo ? Elle a décidé d'aller juste à côté. Dernier médicament que j'ai terminé. Et là, on a terminé 3 boîtes. C'est du Rinadvil. Alors, on n'a pas fini 3 boîtes en entière. C'est juste que il y avait 2 boîtes où elles n'étaient pas complètes. Voilà. Donc, on prend une fois dans l'une, une fois dans l'autre. Et puis, à la fin du compte, on en a très peu. Et voilà, c'est pour ça qu'il y avait 3 boîtes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi bien. Je m'enlève de l'écran parce que je ne veux pas faire la publicité des médocs. Ça, je l'ai déjà dit. C'est très bien quand vous commencez à avoir un petit peu le rhume. Moi, j'aime bien. Par contre, mon médecin m'a mis en garde et ça je ne le savais absolument pas, donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas plus à la caméra. Le Rinadvil a tendance à accélérer votre rythme cardiaque, donc si vous avez des soucis de cœur, ne prenez surtout pas du Rinadvil, c'est totalement déconseillé. Pour ce qui est médoc, microbes, etc., c'est fini et maintenant on passe à tout le reste. Et là je vais vraiment le prendre comme ça vient, je vous l'ai dit. La première chose qui m'est atterrie dans les mains, c'est un flop. Voilà, je vous l'ai dit tout de suite, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à terminer parce que c'était tellement un flop que je voulais soit le prendre comme savon pour les mains, mais bon, voilà, hein, ça m'aurait fait un petit peu mal, soit le jeter carrément, mais je l'ai fini jusqu'au bout, j'ai été courageuse. C'est ça, c'est le shampoing purifiant donc de la marque Energy Fruit. Alors je l'ai essayé, je l'ai acheté parce que voilà, je voyais ces produits depuis pas mal de temps en rayon et je me disais bah, c'est plutôt fun, le packaging est top, les promesses qu'ils vous font sont aussi pas mal, le prix il est génial parce qu'il est tout petit. Donc voilà, j'ai voulu tenter, vu que moi j'ai les cheveux qui ont, enfin les racines qui ont tendance à regresser très vite, je me suis dit bon bah voilà, je vais tester puisque c'est pour cheveux mixtes à gras et c'est censé purifier le cuir chevelu, c'est à la menthe sauvage et au jojoba. Sur vous, je ne sais pas, sur moi ça a été une daube totale, c'est-à-dire qu'avec ce shampoing, il fallait que je me lave les cheveux tous les jours. Donc je ne vois pas où ça limite, où ça espace le nombre de shampoings. Faut m'expliquer, là il y a un souci. Voilà, donc je ne le rachèterai pas, non, jamais de la vie. Je préfère me laver les cheveux avec du savon de Marseille plutôt qu'avec ça. Le seul point positif, c'était l'odeur, parce qu'il sentait bon. Mais c'est tout. On passe à du chocolat, je l'ai adoré. Je vous en avais déjà parlé cette année, je crois. Et j'en prends très peu parce que la tablette part très vite. C'est quelque chose que je trouve en Espagne, je ne sais même pas si ça existe ici.
C'est en fait de la marque Nestlé et c'est au goût strawberry ou strawberry cheesecake. Mon dieu, mon accent. Bon, bref. C'est au cheesecake à la fraise. Et c'est mais tellement, tellement bon. Alors, il faut aimer l'association fraise-chocolat. Si on n'aime pas, on risque de tout remonter. Hein. Mais j'ai adoré ça. Et il y a un côté tellement gourmand qu'un carreau suffit. De toute façon, au bout de deux carreaux, ça devient écœurant. Mais j'aime quand même. Hein. C'est quand même un top. Bref, vous m'aurez compris. C'est quelque chose que j'aime. Est-ce que je le rachèterai? Oui, quand on ira en Espagne, on le rachètera, je pense. Là, on part sous la douche avec mon homme. Enfin, je vais vous parler de la douche de mon homme. Parce que c'est hors de question que vous alliez sous la douche avec mon homme. Compliqué. Sanga, merci. Donc, il a à nouveau fini un gel douche. Je sais, il y en a un par mois. Mais en même temps, c'est normal vu qu'il se lave tous les jours. Donc, c'est le Axe Apollo et je l'adore celui-là. Il l'a déjà pris plusieurs fois. C'est une senteur, je m'en lasse pas. Là, il a le Dark Tentation, je crois. J'aime un peu moins. Celui-là, vraiment, j'aime beaucoup. Il est très frais. Quoi dire de plus? Bah, il fait son boulot, quoi. Il lave. Le prochain produit, je l'ai fini. Enfin, je l'ai fini, non. Mon fils l'a fini en deux exemplaires. C'est celui-là. Donc, je vous en avais déjà parlé en vous disant que pour moi, c'était un flop total. Mais mon fils l'apprécie plutôt bien. Donc c'est le savon extra riche pour peau qui tire facilement. Donc de la marque Les Cosmétiques, vous trouvez ça à Carrefour. C'est pas cher du tout, mais par contre le côté pour les peaux qui tirent facilement, non pas du tout. Parce que moi qui ai une peau à tendance réactive, avec de l'eczéma etc, ça m'a encore plus asséché. Mon fils qui a la même peau que moi, non. Donc c'est peut-être ma peau en fait. Donc je peux pas vous dire que c'est une daube, mais pour moi c'est un flop. Côté cuisine, j'ai terminé un liquide vaisselle ultra dégraissant que j'ai acheté au Leader Price. Au parfum thé vert et fleurs d'oranger, je l'ai adoré. Je ne pensais pas avoir autant d'amour pour un liquide vaisselle. Ça paraît stupide, mais je l'ai adoré. Il dégraisse un truc de fou, mais c'est un truc de malade. Et la senteur était tellement, tellement bonne. Moi qui n'aime pas la fleur d'oranger, et ben là j'ai totalement craqué. Est-ce que j'en rachèterai? On va très peu au Leader Price. Donc là j'en ai pris un du Lidl, mais je pense tester mon liquide vaisselle moi fait maison. Donc je ne pense pas que dans les prochains temps je le rachèterai. Toujours côté cuisine et toujours fait maison, j'ai fini une boîte de ferments lactiques pour yaourtière. C'est parfait, j'ai les doigts noirs de poussière, tout va bien. Donc c'est la marque Alza, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver au rayon gâteau, farine, etc. Et celui-là je l'aime beaucoup, il y a une variante, c'est mon yaourt crémeux je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore testé, celui-là je l'aime bien, il fonctionne bien, il est pas cher. Ça permet de faire je ne sais plus combien, il y a 4 sachets dedans, donc 4 yaourtières. Voilà, moi j'en achète toujours 4 ou 5 paquets pour le mois et c'est pas cher, je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc oui, j'en rachèterai et j'en ai déjà en réserve. On passe dans la voiture et mon chéri s'est pris d'amour pour ces bonbons là. Moi à la base j'étais pas trop pour, mais en fin de compte bah, je les aime beaucoup, surtout ceux-là. Parce qu'ils sont pas tous super bons, mais ceux-là on les adore. Ce sont les Ricola citron mélisse. Vu qu'on était malade et qu'on avait la gorge bien prise, bronchite, etc. Ben ça nous a beaucoup aidé. Ils ne sont pas sucrés, même si c'est sans sucre. Il y en a qui ont un goût beaucoup trop sucré. Ceux-là ils sont juste parfaits. Et oui, on en rachètera. On en a oublié la fois qu'on est allé faire les courses. Mais la prochaine fois, on en rachète, c'est sûr. On repasse dans la salle de bain. Et là, j'ai fini une pochette d'échantillons. Avec notamment ça, alors c'est quoi? Ça venait de Avon, c'était des échantillons de la crème Cellusculpt, anti-cellulite, etc., soins minceurs, anti-capitons. Ça, c'est définitivement pas lourde. Une fois, tant qu'on met la crème, ça fonctionne. Une fois qu'on l'arrête, ça revient. Donc c'est très énervant, puisque tant qu'on met la crème, nos ralentisseurs, nos dodanes sur les cuisses partent, disparaissent. Et une fois qu'on arrête la crème, eh bien ils reviennent. Voilà, donc il y a un souci de ravalement de chaussée, je pense, parce que non, moi je ne suis pas d'accord du tout. De ceux-là, je les ai tous utilisés, tous ceux que j'avais, j'en avais encore une quinzaine, donc je les ai tous utilisés, sachant qu'un petit échantillon comme ça faisait pour une fois. Et je ne le mettais que le soir. J'ai également fini le format voyage, donc qui était en 15 ml de la même crème. Quelque chose qui nous a beaucoup suivi durant notre combat contre les microbes, ça a été ça, voilà, du citron. Puisque quand on est malade, quand on commence à avoir de la gorge, le miel et le citron, c'est quelque chose
voilà, que je mets dans toutes les boissons. À savoir que moi j'en ai tout l'hiver, donc oui, j'en rachèterai. Le produit suivant a été plutôt une découverte. Je l'ai acheté, où est-ce que je l'ai acheté? Je crois que je l'ai acheté à Gamme Vert. C'était ça, alors ça ne vous dit rien comme ça, le sachet forcément, faut que je vous dise ce qu'il y a dessus. Ce sont des pépites en chocolat stable à la cuisson pour pain et pâtisserie de la marque Cake & Party. Je les ai adorées. Alors moi je les ai pas pris parce que c'est stable à la cuisson pour pain et pâtisserie, blablabla. Je n'ai même pas lu ça quand je l'ai acheté. J'ai vu que c'était des pépites de chocolat, j'ai vu que le prix était plus qu'avantageux puisque c'était un 500 grammes et c'était le prix des 120 grammes en grande surface. Donc je l'ai sauté dessus et ils sont top effectivement parce que... Oh, c'est chouette. Parce que dans mes muffins, etc., ça ne fond pas, donc les pépites restent totalement entières et ça, j'adore. On reste toujours dans la cuisine et cette fois-ci, j'ai terminé, enfin, on a terminé des cheveux d'ange. Donc ceux-là, ils étaient du Leader Price. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose que nous, l'hiver, on a tout le temps à la maison, tout simplement parce que, ben, on passe au mode vieillot. Dire ce qui est en hiver ou même là l'automne quand il fait frais, le soir on prend souvent une soupe et une soupe consistante et on rajoute ça dedans et c'est parfait. Là quand on était malade on a pris que ça, on s'est fait 2 semaines que de soupe et ouais. J'ai terminé une huile essentielle que j'avais achetée chez France Loisir, parce que oui, chez France Loisir vous pouvez maintenant avoir des huiles essentielles. C'est celle de pamplemousse de la marque Primavera. Je l'ai fini hier quand j'ai fait ma lessive. En fait, puisque je fais ma lessive moi-même, vous aurez une vidéo où vous l'avez peut-être eu avant celle-là, je ne sais pas. Mais vous, en tout cas, il y a une vidéo qui va être sur ma chaîne concernant tout ce que je fais maison, etc. Les économies, blablabla, blablabla. Je l'ai adorée. Je l'ai également beaucoup utilisée pour mon soin raffermissant et anti-capiton maison que j'ai stoppé puisque j'ai fini mes crèmes entre-temps. Donc voilà, vraiment très bien. Je l'ai utilisée dans la lessive, je l'ai utilisée pour mon soin. Je compte l'utiliser parce que je vais en racheter, que ce soit France Loisir ou autre part, mais je compte les utiliser dans les diffuseurs de parfums, etc. parce que c'est une odeur que j'adore, vraiment, je m'en lasse pas. 2 articles passionnants, mais bon, ça fait partie de mes produits finis. Voilà, donc des cotons-tiges et des cotons démaquillants de la marque Beauty Isere que vous pouvez trouver au Lidl. Moi je les trouve très bien, ils sont pas chers, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, donc voilà. Moi je ne suis absolument pas adepte des petits machins en métal qu'on met dans les oreilles, qu'on trouve en pharmacie, non, moi c'est des cotons-tiges. On est pour, on est contre, moi je fonctionne comme ça. On retourne dans la cuisine et là c'est quelque chose qui jusqu'à présent me concernait que moi. Et puis petit à petit mon fils s'y est mis. Et quand mon homme est tombé malade, il s'est pris aussi d'amour pour... Oui, je sais, hein, mon homme est tombé amoureux de plein de choses, que ce soit Ericola ou de ça. Et à mon grand étonnement, mais je vais pas m'en plaindre, voilà, c'est de la tisane. Il a toujours été café, tisane, il n'en a jamais bu. Et en fait, vu pour sa gorge, je lui ai fait beaucoup d'infusions, camomille, miel, citron, gingembre, donc voilà, c'est l'équivalent d'un antibiotique mais naturel. Et bah en fait, il adore la camomille, donc voilà, il m'en a fini 2, j'en ai qu'une, mais il m'en a fini 2, il y a 25 sachets dedans, ça vient de Carrefour, c'est très bien, c'est pas cher, voilà. L'autre tisane que j'ai terminée, et là je l'ai terminée avec mon fils, c'est de la marque Éléphant Nuit Tranquille. Voilà, alors c'est des grands formats parce qu'il y a 50 sachets, mais à Carrefour ils font des promos en ce moment, ils sont à -25 ou -30%, donc voilà pourquoi je le prends en grand format. Et je l'adore celle-là vraiment, puisqu'il y a du tilleul, camomille et feuilles d'oranger, donc voilà c'est parfait. Côté salle de bain, autre chose que j'ai terminé mais qu'on a fini comme savon pour les mains, parce que voilà, moi je n'utilise plus ce savon là maintenant je suis passée chez Intima, vous le savez, c'est le gel de toilette intime, donc de chez Avon, le Simply Delicate ou Delicate, ou bref, mon accent ne changera pas dans cette vidéo. Il était bien, mais mon souci c'est qu'il avait une odeur trop médicale pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis pour les mains. Et puis voilà, il avait très bien et il n'asséchait pas puisqu'il était au pH neutre et ça c'est bien. Dans la cuisine, alors oui là j'ai quasiment plus de produits, je vais terminer par la beauté, donc c'est pour ça que je fais tout le reste avant. Enfin dans la cuisine, oui et non, ça s'achète au rayon cuisine mais moi j'utilise dans ma salle de bain. Allez comprendre, c'est de l'huile de noisette. J'ai fini l'huile de noisette de Carrefour, moi je la prends à Carrefour. Pourquoi? Alors c'est au rayon huile et vinaigre, et bien parce que c'est mon démaquillant. Voilà, l'huile de noisette est un démaquillant
plus ou moins naturelle, ça dépend si on la prend bio ou pas, celle-là, elle n'était pas bio. Mais ça démaquille un truc de fou, y compris tout le waterproof, on n'a plus à frotter. Et chose vraiment bien, c'est que moi deux fois par semaine, je me démaquille bien avant d'aller sous la douche et j'enlève juste le surplus avec un gant de toilette, je ne nettoie pas avec mon gel nettoyant et ça me nourrit la peau, mais quelque chose de fou. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi le produit parfait et c'est pas cher. Parce qu'aller trouver quand même 25 centilitres, donc 250 millilitres de démaquillant à moins de 3 euros. Et en plus, qui est efficace sur waterproof, moi j'ai pas encore trouvé autre part. Voilà, donc oui, j'en ai racheté et je continuerai à l'utiliser. Côté cuisine, j'ai également fini la levure boulangère pour pain de chez Carrefour. Alors là, j'en ai encore plein, hein, des comme ça en sachet. Je me force à les utiliser parce que depuis pas mal de temps, je l'ai prise en vrac. La levure, elle est beaucoup moins chère, mais là il faut juste que je la finisse parce que voilà, les dates vont arriver. Voilà, ça va plus être bon, vous m'aurez compris. Donc voilà, celle-là elle est très bien, moi je l'aime bien parce qu'elle fait bien lever le pain. Voilà, maintenant est-ce que j'en rachèterai? Non, je pense pas, vu que, comme je viens de vous le dire, je prends maintenant la levure en vrac. Pour que la maison sente bon, on avait pris ce herbic là qui a été écorce d'agrumes. C'est aux huiles essentielles. Je l'ai beaucoup aimé, mais là j'en ai un autre dans la salle de bain. Et ça a été un coup de foudre avec l'odeur, donc je ne sais plus du tout ce que c'est, mais je vous en parlerai quand il sera vide. Donc celui-là, je ne sais pas si on le prendra là maintenant, il était bien l'été. L'hiver, j'ai envie de quelque chose de plus épicé. Et le dernier produit, non beauté, quoique ça pourrait rentrer dans la beauté. Voilà, on a fini un Colgate Total, donc ça faisait partie du lot de deux, enfin des deux que j'avais acheté à Nose au mois de mai-juin. On l'a terminé, il était très bien. Définitivement, les dentifrices Colgate Total, ce sont nos dentifrices préférés, là toute la famille l'a utilisé. On est allé vraiment jusqu'au bout. Les rundowns sont terminés, on passe à la beauté. Alors j'ai deux articles qui sont réellement beauté, mais voilà. Le premier, c'est un fond de teint, donc un fond de teint de chez Avon, l'Ideal Flawless, qui était en nuance ivory. Il était très bien, moi j'adorais le packaging, je trouvais ça très élégant. Bon, c'était en verre, sous flacon pompe. Il était vraiment génial, je l'ai beaucoup aimé. J'ai rarement aimé un fond de teint à ce point là parce que bah voilà, c'était vraiment un fond de teint. La couvrance était moyenne, mais on n'avait pas l'effet plâtre, il était juste parfait. Comme c'est avant, je ne rachèterai pas. Et le dernier produit, c'est ça. Alors non, en fait c'est ça, voilà, c'est ça comme ça normalement, mais je l'ai coupé. C'est une crème pour les mains, ça y est, je l'ai terminée. Ma fameuse crème pour les mains au parfum jasmin et à l'huile d'argan. C'était une crème bio de la marque naturelle d'Orient, voilà. C'était la cousine à mon homme qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et là, je l'ai finie, je l'avais tout le temps sur mon bureau. Et je l'ai beaucoup aimée. Elle est parfaite comme crème de jour pour les mains, puisque comme crème de nuit, j'ai toujours ma crème aux chambres de The Body Shop, mais pour la journée elle est parfaite puisqu'elle ne laisse pas un film gras sur les mains. Là actuellement j'utilise celle de Balea, elle est aussi très bien. Cette fois-ci c'est terminé, cette vidéo est finie. Alors je sais elle aura été longue, mais il y aura eu beaucoup de choses. Vous retrouverez sur mon article, il y aura le i certainement là dans ce coin là, qui vous amènera jusqu'à mon article où vous aurez les références, les liens, etc. pour les produits pour lesquels j'aurai trouvé un lien et des photos, même si les photos vont peut-être pas vous aider plus que ça. Pour ce que je porte en make-up, vous le trouvez en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine sur ma chaîne. Je vous aime.